San Francisco, sur la côte ouest de Dallas, vivait un inspecteur gadget du nom de Colombo. Il avait une petite amie, elle était flic à Miami. C'était sa sorcière bien-aimée, son nom, Julie Lescaut. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. J'ai fait le plein de ces bergénies, 10 litres. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Et cette fille-là, ouais, elle est d'Eric. Dans la petite maison, dans la prairie, Dan Ascully vivait chez un certain Dactari. Avec son chapeau melon et ses bottes de cuir, on aurait dit Starsky et Hutch à Malibu, mais en pire, oui. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. J'ai fait le plein de ces bergénies, 10 litres. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Et cette fille-là, ouais, elle est d'Eric. À bord du Pacifique, princesse Patty comme Elliot Ness, vivait un type qui s'appelait Kojak Martin. Il faisait peur aux enfants, il faisait flipper les dauphins. Son chat s'appelait Rintintin et son fox Mulder, Tatatin. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. J'ai fait le plein de ces bergémiens, 10 litres. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Et cette fille-là, ouais, elle est d'Eric. Cinquième dimension à Santa Barbara, vivait de drôles de dames qui se prenaient pour Batman. Un autre gars un peu bizarre, MacGyver, c'est son nom, mangeait les chips avec un couteau suisse acheté à Twin Peaks.